exposant 0. On sait par exemple que 3 puissance 2 puissance 3, ça veut dire 2 fois 2 fois 2, 3 fois, égale bien sûr 8. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2 puissance 0? On ne peut pas prendre 2 0 fois. Alors, combien ça devrait faire? Une histoire facile à démontrer, c'est si on rappelle la formule a puissance m divisé par a puissance n. Évidemment, en troisième et en quatrième, on fait additionner, soustraire les exposants m moins n. A puissance m sur a puissance n égale à a puissance m moins n. Et si on veut être cohérent avec cette formule, on va prouver que 2 puissance 0, ça doit faire 1. Parce que, par exemple, je prends ici, pour cette formule, 2 puissance 4 divisé par 2 puissance 4. D'un côté, ça veut dire que ça fait 2 puissance 4 moins 4, autrement dit 0. Mais de notre côté, un nombre divisé par lui-même, ça doit faire 1. Et voilà, afin que tout soit cohérent, il faut que 2 puissance 0 égale 1. Et comme ça, ça marche pour 2 ou pour n'importe quel autre nombre. N'importe quel nombre puissance 0, ça donne 1. Sauf bien sûr, 0 puissance 0 qui est indéterminé. Mais ça, c'est une autre histoire.